Yo, what's up? Aujourd'hui, je reviens pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera un haul. J'ai pas pu vous le filmer dimanche parce que j'étais trop fatiguée, donc je vous le publie aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera un haul Primark, donc je sais pas s'il sera grand ou petit parce que je me rappelle plus de ce que j'ai acheté. Mais si vous me suivez sur Snapchat, vous avez vu que ma famille d'Algérie était là et du coup on passait nos journées à faire du shopping. Super comme activité familiale. Et du coup j'ai acheté quelques petits trucs à Primark, même si je devais pas le faire, mais bon c'est des trucs trop mignons et tout, donc je voulais les partager avec vous. Donc on va commencer par ce que je porte là aujourd'hui. C'est un sweat tout simple rose. Il y en avait en plusieurs couleurs, je sais plus du tout lesquelles, mais il y en avait en plusieurs couleurs et j'adore trop. Il est trop confortable, il est hyper chaud, donc là je suis en train de crever de chaleur chez moi là. Mais j'ai un truc à dire parce que ça m'énerve des fois. Primark fait du grand n'importe quoi. C'est censé être du 44. Est-ce que ça a l'air d'être du 44? Ça ne l'est pas. Pour les pulls et pour les sweatshirts et pour les trucs assez larges, moi je préfère toujours prendre des tailles bien au-dessus de la mienne. Je me suis dit, oh 44, c'est cool. Parce que genre je crois que Primark va jusqu'au 48, 46, 48. Et bah j'ai essayé quand je suis arrivée chez moi, j'ai fait... There's a problem. Bah ça donne pas du tout l'effet que je voulais. Moi je voulais un truc bien baggy baggy, mais bon, c'est pas grave. Et il ne coûtait que 8 euros, donc c'est pas grave hein, on peut excuser. Autre chose que j'ai acheté, c'est ce pull oversize. Et moi j'aime bien, ça change un petit peu de style, ça fait pas street, ça fait plus classe. Et j'ai acheté en 40 parce que je prends jamais du 38. Je l'ai acheté en 40, il coûtait 18 euros, et il est revenu à 9 euros. Donc c'est pas mal, je vais pas vous mentir, il gratte un peu hein. C'est pas le truc le plus confortable du monde, mais au moins il est oversize et j'aime bien. C'est un petit pull de tous les jours, I like. Ensuite j'ai acheté un autre pull, toujours en 40, et celui-là est un peu plus épais. Et ce que j'aime bien, c'est le petit détail des fermetures éclair sur le côté. Donc voilà, et j'adore trop la couleur, c'est un bleu marine mais trop trop beau. Et c'est chic, voilà. Donc il était à 18 euros aussi, il est revenu à 9. J'ai toujours hésité à acheter des gilets comme ça, mais je me suis dit bon, pour le prix je te jure. Après c'est mon opinion hein, mais ça dépend toujours de la couleur que tu prends. J'ai l'impression que ça fait plus ou moins le gilet du Père Noël est une ordure. Tu vois ce gilet là? Ça. J'ai décidé de le prendre en marron, comme ça ça fera moins le Père Noël est une ordure. Il est très très confortable, il est long, il est comfy, et j'ai pas du tout des gilets comme ça, donc voilà, et première fois à tout. Et donc j'ai pris en 42-44. Ça m'a pas l'air trop du 42-44, mais ça va, il est large quand même. Il coûtait 14 euros et il est revenu à 8 euros. Donc il existe en plusieurs couleurs. Il y avait du gris foncé, il y avait du bordeaux. Il fallait quelque chose de classe parce que quand je vais aux événements et tout, bah j'ai que des trucs genre soit basique, soit street. Donc à un moment donné, je me suis dit, ma roi, soit féminine un petit peu. Donc du coup, j'ai trouvé cette chemise qui est trop belle. Elle est comme ceci. Elle a un petit effet métallique en fait. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Genre la dépaillette rose gold et tout. Et vous savez l'amour que j'ai pour le rose gold. Je l'ai pris, alors voilà, toujours le même problème. Je l'ai pris en 46. Je sais pas ce que j'ai avec les tailles chez Primark. Elle est confortable. Et par contre, elle est transparente. Donc vraiment, mettez quelque chose en dessous si vous l'achetez. Elle coûtait 13 euros. Elle est revenue à 7. Je sais pas ce qu'il y avait ce jour-là. Je crois qu'il y avait une grosse promotion parce qu'il y avait tous les prix qui étaient genre réduits. Elle a une petite poche sur le côté, ça peut jamais servir, mais elle a une petite poche quand même, on sait jamais. Non franchement je suis en kiff trop sur la couleur, il est trop trop belle. Oh I like. Ce que j'aime chez Primark, c'est que vous avez vraiment des bons basiques, donc pour des prix terribles, comme par exemple, attendez j'arrive. Donc j'ai acheté un petit top comme ceci. Vous voyez que vous mettez en dessous des gilets, des pulls. Je kiffe ça trop, ça, genre quand c'est l'été, je les mets tout le temps avec mes pyjamas. C'est genre ma raison de vivre, des trucs comme ça. Et je l'ai pris en 36. Je crois que je prends que des trucs roses en ce moment. Je fais trop ma fille. Oh, j'aime pas. Donc il y avait vraiment toutes les couleurs. J'ai cherché en noir, mais il n'y avait pas ma taille. Et du coup, bah, j'ai pris un débardeur à la place. Pourquoi, je n'en sais rien, ne me demandez pas. Mais bon, voilà, j'ai pris un petit peu à des bretelles un peu plus larges. Et je l'ai pris en... j'ai pris en 38. Celui-ci était à 3 euros. Et celui-ci à 2,50 euros. Laissez-moi vous dire quelque chose. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous fêtiez Noël ou pas, vous êtes obligé de prendre des kilos en cette période de l'année, d'accord? Je crois que j'en ai pris minimum 3. J'ai essayé de faire des efforts, j'ai essayé, mais les chocolats ont été bien plus forts. J'ai pas le choix, il faut que je fasse du sport. Super. Du coup je me suis acheté un truc de sport chez Primark. Faut bien un début à tout, d'accord? J'ai acheté un short, donc pour ceux qui vont dire, ah mais t'es musulmane, tu mets un short, oui, je mets un short, mais quand je suis chez moi toute seule à faire mon sport et que je transpire comme un porc. Donc voilà. Donc voilà, il a... oh, il a des poches.
Yes. Ouais, et j'aime bien en fait le tissu parce que ça permet à votre corps de bien respirer. Ça, je me prendrai même en photo avec ça, mais genre je le garderai pour moi. Comme vêtement, je crois que c'est bon. Ah non, ouais, alors là en fait il est dans ma valise, il faut que je le prenne. Vous connaissez l'amour que j'éprouve pour les cols roulés. Et du coup, les cols roulés étaient très 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 bien. Ils étaient qu'à 8€ et ils étaient un petit peu stretch. J'ai kiffé ma vie. Donc j'en ai pris un en noir parce que en fait je me suis rendu compte que j'en avais pas. Donc voilà, je kiffe trop ce col roulé. Je le porte tout le temps. Je crois que je l'ai porté 5 jours d'affilée, je sais, c'est pas très propre. Ok. Mais je le kiffe tellement que je le portais avec tout et n'importe quoi. Donc voilà. Voilà, les cols roulés chez Primark sont très bien. Maintenant, je vais vous montrer le rayon où je crois que j'ai pris le plus de trucs. Parce que c'est l'hiver. Et parce que t'as besoin de ça en hiver. Les choses cosy. Donc, il y avait un rayon pyjama qui était tous à 10€. Vous étiez genre des lots. Genre le bas était 5€ tout seul, le haut était 5€ tout seul et les deux étaient à 10€. Forcément. J'ai pris mon petit lot à moi. J'ai même pas envie de le défaire parce qu'il est trop beau. Il était donc à 10€ et je l'ai pris en 42-44 parce que je vous ai dit, tout ce qui est loose, je préfère prendre 2 voire 3 tailles au-dessus de la mienne. Le second, je voulais trop faire ma meuf. Ouais, je l'avoue. C'est un set en satin et en fait, ça s'appelle le Boyfriend Satin Pyjama. Il existait en noir et en rose et je voulais trop prendre le noir, mais après, je me suis dit non, le rose il est bien aussi. On verra certainement sur Instagram avec ce pyjama un jour. Who knows? Je pouvais pas. Passer dans le rayon pyjama sans acheter un bas à carreaux, c'est la vie. Et j'ai pris en 38-40, donc un M. Ah mais je me suis tellement retenue dans ce rayon pour ne pas tout acheter. Il y avait vraiment tout qui était mignon, tout qui était confortable, même si c'est pas cher, mais ça mignon. En parlant de choses cosy, j'ai acheté des chaussettes. Elles sont hyper moelleuses, on dirait des marshmallows. Donc il y a 3 paire de chaussettes et le pack est à seulement 2,50€. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, mes pantoufles. Alors vous pouvez voir que je les ai bien portées. Mais bon, voilà, hein. Parce que voilà, j'ai mis du temps à faire ce haul. Ils sont pas trop mignons. J'ai l'impression que j'achète que du rose en ce moment. C'est quoi le délire? Donc celle-là, je les ai achetées parce qu'à l'intérieur c'est hyper chaud, c'est hyper doux. Je dors avec, je marche avec, je mange avec, je fais tout avec ça. Elles n'ont coûté que 3€. Ensuite. Oui, tout le monde connaît de la team Snapchat. Vous connaissez l'histoire de ce lot de ceintures. Si vous avez Snapchat et que vous ne me suivez pas, en fait, vous ratez bien votre vie. Non, je déconne. Parce qu'en fait, je fais des épisodes, des malheurs de Marois. Parce qu'il m'arrive plein de crasses dans ma vie. Des trucs très chiants qui n'arrivent qu'à moi. Et donc, du coup, je me plains sur Snap en racontant mes histoires. Ce truc m'a causé un petit problème à Primark. Et bon voilà. À chaque fois que je le mettrai, je me rappellerai de ce petit souci. Et donc du coup, je l'ai acheté à 3€. Il y avait 2 sets de couleurs. Donc il y avait noir et marron. Et il y avait kaki et nude. Ce rayon, je trouvais que c'était trop des bonnes affaires. Je crois que je suis en train de dire ça dans tous les rayons. J'ai acheté 2 écharpes style un peu plaid. Elles sont assez larges. Bon, elles sont pas énormes non plus. Mais elles sont assez larges quand même. Et il y avait beaucoup beaucoup de couleurs et donc j'ai pris en rouge à carreaux et en vert à carreaux. Oh, ils sont trop beaux. Et genre chaque écharpe était à 5€. Ensuite, j'achète des sous-vêtements mais bon je vais pas vous les montrer parce que on n'a pas cette proximité quand même. Comme a dit ma très chère Kiyou, personne n'a jamais assez de plaid et de coussins. On dirait un nuage. Je peux rester comme ça toute la journée. Je suis bien là. Là, je suis bien là. Bon bah je vous laisse finir la vidéo hein. Je suis bien. Il y avait tellement de couleurs de plaid que je voulais tous les prendre. Il y avait un rose poudré, je voulais trop le prendre. Après je me suis dit non quand même, on n'a jamais assez. Mais là pour l'instant t'as un petit peu explosé ton budget Primark parce que t'étais censé rien acheter. Il y avait du taupe, du noir, du rouge, du rose, du blanc. Et du gris. Donc c'était ça qui était à 16€. Après il est redevenu à 14, donc tous les plaids étaient à 14. J'étais en train de balader tranquillement dans le rayon maison quand soudain j'ai vu ça. Dès que je vois du rose gold, mon regard s'interrompt. Elle est pas trop belle. Beautiful. Du coup voilà, il y avait 3 modèles et moi j'ai aimé celui un petit peu minimaliste.
où il n'y avait pas de chiffres, donc il y avait un avec des gros chiffres comme ça, j'ai pas du tout aimé, et un où les chiffres sont un peu plus fins. Je sais pas si vous voyez, mais bon, voilà, ils sont plus fins. Elle a coûté 10 euros. Et je crois qu'on en a fini avec ce haul. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes dernières vidéos. Je voulais vous remercier pour tout l'amour et le soutien en fait que j'ai reçu sous ma dernière vidéo. C'est vrai, je cherchais pas à faire pitié ou quoi que ce soit, c'était pas du tout mon but. Et ça m'a aussi fait d'autant plus plaisir le fait que vous partagiez votre histoire avec moi. Et voilà, j'espère que ça vous aura donné de l'espoir, ça vous aura fait rire parce que... I don't know. J'espère juste que voilà, enfin, que ça vous aura aidé, parce que si vous traversez une passe un petit peu difficile dans votre vie, et ben voilà, I'm here, you know. Si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Door Beauty, it's me. Donc je vous fais plein de gros bisous encore une fois et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.